Bonjour, Jacques Prince, conseiller délégué chargé de la sécurité. En matière de sécurité, pour le mandat qui vient, nous allons nous articuler autour de trois axes majeurs: la police municipale, le partenariat police nationale, police municipale et la vidéoprotection. Donc, en matière de police municipale, nous allons adapter les horaires de notre police municipale aux besoins. Nous allons moderniser un petit peu leurs équipements en achetant par exemple, en les dotant de vélos électriques et d'un sonomètre qui leur permettra par exemple de lutter contre les incivilités qui gênent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire le bruit. Ce sonomètre moderne permettra de contrôler les nuisances sonores tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors ensuite, nous allons déployer une nouvelle patrouille sur la ville, c'est-à-dire que nous allons élargir le champ d'action de la police municipale à tous les quartiers, de façon à qu'aucun quartier ne soit oublié et que l'on puisse répondre à tout moment et rapidement à toutes les doléances de la population. La police municipale tient ses pouvoirs de police du maire hein, et doivent assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Ensuite, nous allons toiletter la charte qui nous lie à la police nationale, c'est-à-dire pour que la police municipale et la police nationale puissent travailler de concert. Ensuite, la vidéoprotection. Nous disposons aujourd'hui de 29 caméras sur l'ensemble de l'agglomération. Nous allons relier toutes ces caméras à la fibre de façon à avoir le moins de problèmes possible. Et ces caméras seront adaptées aux besoins en fonction de leur implantation. Ces caméras seront bien évidemment, elles sont aujourd'hui au nombre de 29, mais elles pourront être complétées en fonction des demandes et en fonction des besoins qui se feront sentir. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à nous informer de tout ce que vous verrez sur la voie publique et tout ce qui vous gênera. Nous sommes là pour vous rassurer et pour intervenir autant que de besoins.